Miss 9.5, c'est un hommage à la femme qui sommeille au Québec. Miss 9.5, c'est un ragoût de fraîcheur sur la beauté intérieure et antérieure. Miss 9.5, c'est un concours. Pas comme un concours. Ouais. À Miss 9.5, on cherche pas la plus belle fille, parce qu'au Québec, hein, toutes les filles sont belles. Miss 9.5, on cherche à voir la diversité des femmes dans leur élégance corporelle et mentale. 9 candidates se succéderont chaque semaine en défilé et en questionnement. Et au bout de 10 semaines, une seule femme se détachera du lot des autres pour atteindre le statut de... Miss 9.5! Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom? Ève. Oui, non, ça on le sait, votre prénom, Ève. 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 Oui. Bon. C'est de quelle souche? Québécoise? Oui, de quelle ville? Granby. Granby. Okay. Sans indiscrétion, ton âge? Plus que 25. Précisément? Okay. 27. Merci. Vous êtes toujours dans le 514. Votre petit numéro de téléphone, Eve. Vous voulez que je dise ça là, à la télé? Ben. Sinon, après. Tu peux maintenant t'approcher. Oui, approchez-vous. Toi. Bon. Personnalité, une petite question. Mon collègue va commencer. Alors, Ève. Oui. Qu'est-ce qu'on aime de toi? Je suis charmante. Oui. Mon charme. Okay. Qu'est-ce qu'on n'aime pas de vous, de toi? Je suis un peu obstinée. Une personne obstinée. Ève, mm-hmm. Question de culture générale. OK. Alors, l'île du Prince-Édouard a adhéré à la Confédération en quelle année? Trois choix de réponse. En 1872, 1873 ou 1874? Ça, c'est facile. Il a dit des réponses. 1873? Oui, c'est la bonne réponse. Ça, c'est bon. C'est extraordinaire. Okay. Bravo. En culture générale, c'est mon truc. Maintenant, nous allons voir côté mathématiques, au niveau des chiffres. 582 fois 9,5% égale... 582 fois 9,5%. 264? Ben, il y avait un 2, mais... Les maths, c'est pas mon fort. 332 178.78. Lève un peu. Hey, hey, hey! Ouais. Ouais, là, ouais, ça ouais, a changé, mais là. Elle l'avait pas, ça. Il a touché. Bon. Maintenant, Eve. Mm-hmm. Conte-nous une joke. Joke. OK, j'ai préparé une blague. Ça prend combien de psychologues pour changer une ampoule? Un chiffre comme ça. Ça en prend juste un. Il faut que l'ampoule veuille changer. Hein? Moi, je la trouve excellente, en tout cas. OK. Merci pour le commentaire. Quel est le truc que ta maman t'a montré? Moi, en fait, j'ai décidé de prendre un truc de ma grand-mère. Pas que ma mère m'a rien montré, mais quand même. Ma grand-mère et moi, on a fait beaucoup de bricolage. Et quand j'étais jeune, eh bien, on découpait dans des magazines des images que j'aimais beaucoup. Donc, des photos, des jouets, des belles femmes, peu importe, des choses que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, des robes que je voulais avoir. Et là, je découpais ça. On appelle ça du... C'est un scrapbook. Merci, Eve. Voilà. Et on faisait de la colle à la main avec de la farine puis de l'eau. On faisait un petit mélange et c'était avec ça qu'on pouvait coller les images. Eve, voilà. C'est assez? Oui. Déjà tout. Merci. Merci. Si tu peux... Oui, merci beaucoup. En espérant vous revoir à la finale. C'était une de nos 9 candidates à Miss 9.5. Merci d'avoir participé, Eve. Hein? Franchement, vous avez été bonne. Les juges vont prendre 10 semaines pour délibérer. Le temps de voir tout le monde. Et à ce moment-là... On vous rappelle pour vous donner votre note sur...
9.5! 9.5! 9.5! 9.5!